En jeu local, hein, tout va bien. Attends. Baissons le son. Et bienvenue dans le coffre à Versus. Bonjour, bonjour à tous. Et bienvenue dans le coffre à Versus. Ah, j'ai mon stick posé sur les genoux. Et je suis sur un nouveau setup, nouveau PC. Qui dit nouveau PC dit aucune scène de préparer, dit eh bien une heure et demie de prépa stream pour finalement se rendre compte que j'ai complètement oublié l'introduction du GameU. Ça n'est pas grave, bonjour à tous. Est-ce que le son est bon au moins? Parce qu'avec ces micros du swag de League of Legends, je ne sais même pas si tout est bon et si tout n'est pas bon. Faites-moi un retour, je vous en supplie, aidez-moi, je suis tout seul aujourd'hui. Dans le coffre Versus, nous allons parler de la Super Famicom. Alors si vous reprenez le bit.ly, le lien du coffre Versus, vous savez, je vous rappelle, le coffre Versus, c'est une émission qui a pour but de recenser de façon exhaustive tous les jeux de Versus, de combat en Versus, la plupart du temps, sur toutes les consoles jamais sorties. Et il est vrai que c'est axé et bien plutôt rétro gaming, bien entendu, puisque nous sommes sur la chaîne rétro et que nous avons déjà parlé de beaucoup de jeux. Sur le hashtag le son n'est qu'à gauche. Oh non, 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 pas ça. Non, pas ça, tout mais pas ça. Non, tout mais pas ça, pas le son qui n'est qu'à gauche. Je vous en supplie, pas le son qui n'est qu'à gauche. Tout mais pas le son qui n'est qu'à gauche, je vous en supplie. Bon bah le son qui n'est qu'à gauche. Le son qui n'est qu'à gauche, je ne sais pas. Je ne sais officiellement pas. Le son qui n'est qu'à gauche. Ah ouais, bah j'en étais sûr. Il allait avoir une couille sur les setups de trucs. Ah, le son il est qu'à gauche. Attendez, je vais peut-être tenter une entourloupette en appuyant sur un bouton. Sinon c'est pas grave, hein. Le son il sera à gauche, ça n'est pas crevé. Si le son n'est qu'à gauche, je pense que vous allez pas crever. Le son n'est qu'à droite. Mono gauchiste ou mono à droite? À droite, vous êtes plutôt de droite ou de gauche? Bon, ça c'est, ce sont des choses qui doivent arriver de toute façon. Je pif. Est-ce que ça a réglé? Est-ce que le son est enfin en mono? Oui. On troll? Non, vous trollez pas. Non, vous trollez pas. C'est vrai que si vous avez le son sur les écouteurs, vous allez entendre que d'un côté de la voix. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Vous allez vous en remettre, hein, si le son est qu'à gauche. Vous en remettrez. Ado? Vous en remettrez, est-ce que vous allez vous en remettre? Voilà, c'est bon? Impeccable? Bon, j'ai tenté un truc, hein, j'ai piffé. C'est un bon pif? Stéréo droite? Ah, magnifique. Et eh ben voilà! Excellent pif! Ah, j'ai appuyé sur un bouton, j'ai complètement piffé, hein, de le réglage split. Oui, ces micros sont craqués en revanche. Hein. Ces micros sont craqués. Si on arrive à avoir du son excellent, ces micros sont craqués. Donc je disais sur le bit.ly du coffre à Versus, que vous pouvez retrouver juste ici en bas de votre écran, nous pouvons retrouver eh bien toute la liste de tous les jeux. Super Famicom, Mega Drive, Neo Geo, 3DO, PlayStation, Saturn, Nintendo 64, Dreamcast, les exclusivités arcade, un Game Boy Advance, mesdames et messieurs, et affaires Amiga, PS2, PSP, GameCube, DS, Neo Geo, Pocket Color. Voilà, il y a beaucoup encore de choses que je n'ai pas explorées. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler des jeux Super Famicom en vert dont nous n'avons pas encore parlé, et des jeux qui ne sont pas forcément que des pourritures. Et on va commencer par la saga de Data East de Fighters History. Fighters History, vous devez connaître probablement ça avec la version des jeux Fighters Histories Dynamite, qui est une préquelle, qui n'est pas une préquelle, qui est, on va dire, une séquelle de Fighters History, alias Carnov's Revenge, sur Neo Geo. Mais Fighters History, eh bien, c'est sorti le premier épisode en 1994 sur Super Famicom, et le troisième épisode en 1995 sur Super Famicom, en 1993, pardon, sur Super Famicom. Du coup, il y a deux des trois épisodes de Fighters History qui sont sur Super Famicom, alias, oui, Carnov. Et du coup, eh bien, nous allons nous intéresser à ces deux jeux, probablement assez proches de Carnov's Revenge, mais qui sur Super Famicom peuvent toujours être assez, assez bizarres. Puis nous allons nous intéresser à Pit Fighters, Power Moves. Alors là, oui, là, je vois bien que vous savez qu'on va un peu dans les méandres de l'oubli. On va s'intéresser, si on a le temps, à un jeu qui s'appelle Super Bikuri Man. Verra un jeu qui est assez stylé, adapté de la licence du même nom,
mais dont je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Et si nous avons le temps, nous allons terminer par l'un des plus grands jeux de l'histoire. Premier coffre à Versus en live, Darkurt, et bien bienvenue à toi. Merci à tous ceux qui viennent ici pour suivre le coffre à Versus. N'oubliez pas de follow la chaîne Rétro Indé, bien entendu. Et je vous propose qu'on se lance dans l'aventure et dans l'aventure de ce coffre à Versus Rum Station, mon meilleur ami, et le Fighters History Dynamite qui se lance. Je remercie le Kanzuki Estate. Et là, je prie pour que le son ne soit pas trop fort. L'introduction de ce jeu est normalement extraordinaire avec des vrais sons de Super Famicom. 1993, Super Famicom, Fighters History. Ah, ça fait du bien. Ça vous rappelle pas un peu Megaman X, ces sons-là? On est vraiment sur Super Nintendo. Hein. On va laisser tourner l'intro pour voir s'il y a un petit truc. On retrouve Rei et Mizuguchi, les Ryu et Ken de Fighters History. Dans, voilà, franchement, avec assez peu de différence finalement avec la version Neo Geo. Mais là où la différence se fait, et je vous en avais déjà parlé, c'est que sur Super Famicom, vous allez souvent avoir des bandes noires et un jeu qui va être volontairement nerfé d'un point de vue résolution pour la simple et bonne raison que... Oui, Data East, le papa de Windjammers, tout à fait, Kaikun. J'espère d'ailleurs que le tournoi de Windjammers s'est plutôt bien passé. Donc on a CPU Battle Survival versus et Setup. Un jeu de versus, sinon. Là, pour le coup, on a un vrai jeu de combat. C'est-à-dire que on pouvait se toucher sur Street Fighter 2. Là, on est vraiment sur un game. Ouais, very hard, hardest, carrément. On va mettre en hardest, on va se marrer. Le son en stéréo, speed, fast, on va mettre en speed fast, on va voir ce que ça donne. Vous voyez que je ne sais absolument pas à quoi m'attendre dans ce jeu. Il y avait un mode survival en 1993. Hein. Le jeu est complètement crédible. Hein. Le jeu, à mon avis, complètement crédible. C'est parti, CPU Battle. Normalement, la série des Fighters History est un jeu en 4 boutons. Et là, il y a donc 9 personnages de disponibles. Oh, il y a mes mains, hein. Il est complètement humain. Waouh! Ouais, mais il change de couleur ou quoi? Attends. Non. Rah, je sais pas trop qui jouer. Bon, Rei ou Mizuguchi. Le français. Non, moi j'ai complètement. J'ai complètement un Samshé. Hein. Ouais, ça lag. Hein. Premier adversaire, ça sera Ryoko. Round 1, fight! Ok, le son est un peu étouffé, donc là je suis en version fast et les touches pieds et points sont inversées. Et il y a gros point, gros pied. Donc là le jeu est à 6 boutons contrairement à la version Neo et je me suis fait décalquer en 2 frames. Alors s'il te plaît, déjà tu parles mieux des mères. Hein, merci. Et ensuite, eh bien puisque visiblement tu m'as baisé la gueule, je vais rééquilibrer les patterns. Voilà. Impeccable. Les points en haut, les pieds en bas. Donc point, petit point, moyen point, gros point, petit pied, moyen pied, gros pied. Et les Tiger Knee. Oh là là, Tikako. Mais ça n'est pas aussi safe que sur Neo Geo. Hein. Le jeu n'a juste rien à voir. Déjà, rien que les 6 boutons, c'est pas safe. Mon Tiger Knee est pas safe. Mon Tiger Knee est juste pas safe, quoi. C'est chaud! Bah oui, continue toute ma vie. Laissez-moi. Je reprends Samshé. Parce que là, Ryoko, elle m'a mis 100-0. C'est parti. Alors, on va voir si je peux refaire sa boule. Bah oui, parfait. Oh, le recover, mon gars! Eh, les Seiyu ont rien à voir. Oh là, ça fait les vrais combos ici. Hein. Ça fait tellement les vrais combos. Toujours la mécanique de brillage. Non mais fous-moi la paix. C'est un truc de malade. Le PC il est intestable. Mais j'avais choisi le hardest mode. C'est-à-dire le PC il avance et quand t'appuies sur un bouton il te contre. C'est ça. Nous sommes sur Fighters
History, le premier version, enfin le premier jeu de la série Karnov. Enfin, Karnov, pas vraiment, la série de Fighters Instinct, la série de jeux de combat. Voilà, la distance max, c'est safe, hein. Ça fait anti-air, parfait. On va zoner tout simplement. On va essayer de bien jouer au jeu. Ah, bah j'ai raté. Et ça fait mal, mon gars. Chop. Non. Mais la barre. Le jeu est trop stylé, hein. Ça bouge bien. En fast, c'est assez rapide quand même pour un jeu pour un jeu Super Famicom. Bah, défoncé. Par contre, le jeu n'a pas l'air pété du tout et a l'air de plutôt se positionner comme un Street Fighter-like posé. Regarde, ça c'est deux hits avec mise au sol. Mise au sol est violente, je trouve. Ça en tire pas. Oh, les techniques de balayette pourrie. Non mais non mais... Chicago. Non mais le mec qui fait KO, ouais, après la difficulté est absurde. Tiens, tiens, tiens. Ah, il y a des points de cancel et je peux whiff canceller les coups. C'est absurde, la difficulté est absurde. Le PC il fait... T'appuies sur un bouton, pouf. T'as pas appuyé, chop. T'as pas appuyé, chop. T'as fait boule saut. Le PC il appuie sur avant, quoi. Non mais il va se calmer le PC. Ah, c'est facile, avancer en ayant la garde. Ah, si je pouvais le faire, je serais... Bah regarde, le mec, je fais boule, il saute direct. Ah, c'est en combo, ça, c'est sale, hein. Oh, la barre. Bah, c'est 100-0, hein. C'est 1000-0. Oh là là, le... C'est 1000-0. C'est 1000-0. Le PC il s'en bat les couilles. Il appuie sur avant, il crush sur la gueule. Je vais prendre Lee. J'avais un Lee aussi dans Card of Revenge. Ça chope spé toute la vie, hein. Ah mais attends, mais le mec il a... Non mais t'es pas sérieux. Il a compte sur tout. C'est bien de la merde. Sauvit Chop Spé. Oh la barre. La barre. Kegondai. 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 A Dagondai, a Singung. Dagondai. Dagondai. Gengondai. Gengondai. Ah merde, j'ai raté mon Gengondai. 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 Oh, ça a mis la garde. Gengondai. 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 C'est moi, impeccable. Gros 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 lit, hein. Énorme lit, hein. Je suis fier de moi. Je suis fier de cette victoire absolument gigantissime. Ah bah Lee contre Lee, attention, là, ça va dire Gondai là. Alors le quart avant de Lee semble ne servir absolument à rien. On va voir s'il n'y a pas un quart arrière qui se cache. Ah oh, lui. Non, moi je fais des Gondai. Oh la barre qui me perd. Oh là là, mais laisse tomber. Le mode ultra difficile. Le mode hardest, tu prends un coup, tu te fais trop mal. C'est comme ça qu'ils équipent. C'est de la merde. Ah, c'est de la merde. Mais les décors sont trop stylés. Le jeu est bien, hein. Le jeu est vraiment bien. Bon, là, je suis en hardest de la mort qui tue. C'est complètement con. Mais... Gengondai. Ouais, c'est pas gros point lui. Ah non, il whiff punish. Ah, dommage ça. C'est moi qui chope, bien sûr. Balayette, parfait. Dégâts, mon gars. Putain, mais les footsies sont. Les footsies sont justes. Ils sont méga. Oh, il m'a Gengondai. Gengondai.
Gigondai. Gigu. 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 C'est safe à cette distance-là. Oh là là, par contre, il y a un gros point. Il y a officiellement un gros point, j'y ai cru à mort, mais Gigondai ne peut pas passer, ça peut pas passer ça. C'est pas possible. Bah c'est cool, comme ça on crève, on va pouvoir changer un peu de perso. Je vais prendre un Chopper Spé. Voilà. Un bon gros Marstorius. Ah, Marstorius, il a des lariates en malheur. C'est parti. Voilà, il est lariates en charge. Marstorius. Oh, mon Marstorius. Mon Marstorius, tu lui manquais de respect là un peu. Gros bourre-press. Ah, des Gondai. Tiger. Oh là là, ça entière. Oh là, il fait balayette quand, dès que j'appuie sur le bouton. Gros Marstorius, hein. Énorme Marstorius. Et mon Marstorius, faut que je retrouve ses autres coups là, ça veut rien dire. J'ai la garde. J'ai toujours pas d'entière, mais j'ai la garde. Tiger. Oh là là, ça saute. Jump là. Elle s'en bat les steaks, mon gars. Oh bordel. Oh la barre. Lariat, je te dis. Lariat. Non, j'ai pas d'entière. Lariat. Oh là là, je suis dans la merde, Tiger. Ta gueule. Oh. Ta gueule. Ça sent la défaite, ça. Ta gueule. Oh là, c'est pas avec que des lariates que je vais lui faire quelque chose au lit. Hein. C'est chaud. Hein. Il y a Whiff Punish, il a tout. C'est le mode Very Hard aussi. J'ai peut-être un peu abusé. J'ai peut-être un peu craqué mon slip. On va prendre Guile. C'est Jean. Hein. Alors, normalement, c'est Guile, hein, Jean. C'est parti. Jean, je crois en toi. Hein. La France, te regarde. La bonne rose. Putain, la bonne rose, il fait la bonne rose. Yatatatata. Bon, on va aller. La bonne rose. Ah, j'ai pas de Bao, c'est pas possible. Oh, glissade. Hein. Grosse glissade. Oh, vous avez vu? J'utilise des petits coups pour faire whiffer les attaques. Même mon Jean, il vaut pas une cacahuète. La bonne rose. Putain, c'est trop stylé les jeux où tu comprends à peine ce qu'ils racontent. La bonne rose. Allez, viens, approche-toi. J'ai une garde, je m'en fous. Tiens. Oh putain, la barre. Oh là là. Gigondai. Oh, mais fous-tu-le. Oh là 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 là, y a un pressing hein. La banana rose. Mais mon Jean. Alors je peux pas accepter que Jean se fasse tuer comme ça. Bon par contre le CPU est un peu craqué. J'aurais pas dû craquer autant. Mais là on est en mode rapide. Les 6 boutons sont là, c'est un jeu qui joue exactement comme Street Fighter. Et finalement le chara design passe mieux sur Super Famicom. La bonne rose. Quand j'étais quasiment sûr que j'avais un dragon avec le perso hein. J'en avais ma main coupée. Footsies. Gros jeu de footsies. Chop. Ah putain, je suis au 0 de telle vie. Oh là là là, Whiff Punish tellement bien. Gros point suffira pas. Hein. Prends Louise. Putain, mon Jean, quoi. Ouais, c'est pas possible. Ah, je peux me diriger, mais il fait balayette. Oh là, il a tous les Whiff Punish. Regardez, ça fait plus rien. Oh là là, la barre de merde. Tiens, dégage. Par contre, les balayettes ont un pushback vraiment abusé. Ça serait marrant qu'on puisse canceler les balayettes. On peut canceler les balayettes. C'est le meilleur jeu du monde. Je me suis fait. Voilà. C'est pas possible. C'est pas raisonnable le mode Hardust. On peut pas s'amuser.
Vous êtes conscient qu'on ne peut pas s'amuser. S'il vous plaît, mettez-moi un vrai mode. Oui, tu peux... Ça a repris? Allô? Oh là là. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, car normalement, j'ai un Ray. Et Ray, c'est complètement pété. Est-ce que le Ray, c'est le même Ray que dans Dynamite? Ah, visiblement non. En fait, le vrai jeu, c'est le 1. Le 2 est complètement pété. Le 2 est complètement pété de partout. Mais le 1... Le 1, en fait, c'est un vrai jeu. Et du coup, c'est pas drôle. Dragon. Big Tornado. Big Tornado. Le choc, mon gars. Big Tornado. Big Tornado. Big Tornado. Big Tornado. Ah. Ah. Par contre, décalage chop sur la boule qui est vraiment pas safe. C'est Street 5. Chop. Gars, tu m'auras pas. Je te baise. Je te baise. Blah. Il a rien perdu. Ah, le saut petit point était pas très inspiré là. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il a trop de vie? Voilà, merci. Il y a un moment, faut mourir, monsieur. Alors, c'est sur Super Famicom là. Tout l'épisode d'aujourd'hui est consacré à la Super Famicom. Ou Super Nintendo, ça pourrait faire. Mais mec, il avance, il a pas peur. Elle saute. Oh d'accord, décalage. Ouah, la barre. Chop, c'est moi qui chope. Titi mon gars. Putain, il dit même Titi, c'est trop stylé. J'ai mal. J'aurais dû faire plus attention. Il va sauter, il va sauter. Oui. Oh là là. Grosse stratégie, hein. Grosse stratégie. Ouais, Ray, c'est un peu le Ken du jeu. Il a boule Tatsu et il a un dragon. Et je crois que ça avait pied. Je le fais pas. Putain, j'ai réussi à sortir du. Oh putain, Ray contre Ray, non, c'est. Big Tornado, Big Tornado. Hein. J'arrive pas à faire le dragon. Ah, le wheel kick. Ah, il s'en bat les couilles du wheel kick, mon gars. Non, mais lui! Lui, c'est pas grave. Lui, il a le droit. Big Tornado, il a le droit. Putain, mais la barre qui fait le CPU. La barre, lui il a le droit, Big Tornado il est safe. Oh là là, Titi. Je prends un Titi dans la gueule. Mais c'est pas safe. C'est pas safe, tu me l'as montré. Triche. Saute. Ah, je me suis comme qui dirait. Saute, saute, Pedro. Saute, saute. Oh là. Gros game plan. Gros game plan, il va ressauter. Oh, le zoning impossible, hein. Gros zoning, hein. Ray wins! Ah, les sons, ils sont là, le jeu, il est trop stylé! Comment ça, Dynamite? Ah, Didi, malheureusement, mid-bar. Ah, ça, c'est très pas safe. Pourquoi je joue le beau gosse? Titi, mon gars! Ah, il y,
y a de la mise au sol lourde dans le jeu. Hein. Oh, j'ai joué en foot 6 en je suis en train de posséder le jeu. Yeah! Ça, c'est une pause Jojo, ça, hein, d'ailleurs. Putain, j'ai pété la gueule à Rare. C'est bon, ça y est, j'ai fusionné avec le jeu. Boule, bas gros point. Bas gros point, boule. Tatsu, boule, bas gros point. Bon, par contre, faut faire attention à Matlock, hein. C'est un vrai perso. Hein. Bon, je vais me calmer. Après celui-là, on va voir la troisième version et voir les évolutions. Big Tornado, mon gars. Big Tornado. Oh, bah, lui, lui s'en bat les couilles, lui. Il saute même pas. Tiens. Je fais des wheel kick en dessous, hein. Wheel kick entière, parfait. C'est exactement comme ça qu'il faut le jouer. C'est le perso de karaté, ça. Hein, on s'en serait douté? Comment ça? Big Tornado, Big Tornado, Big Tornado. Il est trop stylé le jeu. Viens, viens, saute. Non, décalage shop mid bar. Saute. Tu m'auras pas, saute. Non, tu crois. Mais tu crois que tu vas pouvoir te servir, mec? Non, mais t'as vraiment cru que t'allais pouvoir te servir? T'as cru que t'allais pouvoir te servir? T'as cru que t'allais venir sur moi et que t'allais te servir, mec? T'es sérieux? C'est un perso de HNK, oui, j'avoue. Mon gars, tu bouges pas du coin. Oh, par contre, c'est très rigide hein, quand même. C'est très rigide. Et même au stick, mon gars, c'est pas facile. Vous avez vu cross-up, hein? Cross-up, j'ai fait cross-up, hein? Les shops, c'est direction plus gros point, comme la street. Le jeu, c'est le street de Data East. Hein. Ah, il est malin, le PC. Il avance comme Guile sur, Ryu. Ah, c'est pas mal ce qu'il fait le CPU. Hein. C'est vraiment très très bien ce qu'il fait le CPU. Il est fort. Oh, c'est quoi ça? Je suis choqué. Le CPU, il joue en foot 6, il fait des sauts verticaux au-dessus des boules, il est intelligent. Chop, bien sûr. Je sors du coin. Non. Ça, ça va, c'est le drame. J'ai eu mal. Non! Ah putain, bien joué! Ah putain, bien joué, j'étais tellement dedans. Putain, bien joué, j'étais en train de décaler des bagues au point, j'étais tellement à fond dans le game. Ah, il m'a défoncé. Bien joué, bien joué, bien joué. Super bien joué. Et là, c'est un CPU. C'est un CPU qui a bien joué. Bon, il fait mid-bar quand moi je déraille rien. Mais c'est un CPU qui a bien joué. Voilà, Fighter History. Fighters History. C'est donc le premier épisode de la série des Fighters History. La jaquette est trop stylée. Le jeu est grave stylé aussi. Data East. La version Neo Geo sort un an après. Sous le nom de Fighters History Dynamite ou Carnov's Revenge. Et eh bien, il y a donc la suite, le troisième épisode, Fighters History, Mizoguchi, c'est quoi le nom exact? Mizoguchi Kiki Ipatsu, qui est donc eh bien, la version suivante que l'on va lancer immédiatement. Troisième épisode de la saga des Fighters History. Mon gars, introduction. Oh là là. Oh là là. Cette pression. Oui, le CPU faisait plus de dégâts, mais c'est la vie. Chessa! Ryu Jinkak! Fighters History!
Le son est là. Le son est là. Hein. Le son est là. On appuie sur start, mon gars. Le mode Mizoguchi. Il y a un mode histoire. Hein. C'est plus battle versus extra. Tout extra. Et la config. Voyons voir la config. Ces petits sons qui rappellent Super Butoden Speed 3, bien entendu. Alors, on va laisser un level normal. On peut afficher les barres, le son en stéréo. C'est quoi Type Edit? D'accord. J'ai pas trop touché à ça. Hein. Les boutons. Ah, le jeu Copan Daipenchi. Ok, le jeu est passé à 4 boutons là. Très bien. Le jeu vient de passer à 4 boutons. Parfait. On est passé de 6 à 4 boutons, pourquoi pas. Et on va se taper le mode Mizoguchi. Chesto America Rosan Shuri Lei Chun Chung et plein de trucs chinois. Matei Matei. Donc attends. Oui, on passe. Feu feu feu. Donc ça, feu feu feu. Alors attendez, parce que ils sont vraiment très cons parce qu'ils ont rechangé la position des inputs. C'est la base, hein. D'un jeu à l'autre, il faut changer la position des inputs. Fu fu fu. Checkmate Oda. Mo Kanen Surundana. Tu es échec et mat, tu ne peux plus t'enfuir. Fu 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 fu. Des trucs chinois. Sarabada Norumana. Ok, donc là, va crever. Uaaaaah. Osaka, Minami. Ondoryu. Ah, il fait l'accent d'Osaka. Bon, là, je peux pas vous traduire l'accent d'Osaka, c'est pas possible. Mais Mizoguchi est à Osaka. Et ce dernier veut se faire des takoyaki. D'accord, takoyakiya. Donc là, il cherche un magasin de takoyaki. Ah, les takoyaki sont là. Oui, c'est très bien, bien sûr. Putain, ce mode histoire, mon gars. Et direct qu'il embrouille. Direct qu'il embrouille. Direct qu'on vient faire chier Mizoguchi. Hein. T'es takoyaki, il pue, je suis sûr que t'es faible. Bon, grosse insulte de la part du mec qui teste le versus. Et la brillance. La vieille grimace qu'il fait. En mode vénère, hein. Il est méga en mode vénère. Okay. Bon, ta gueule. On a compris, ta gueule. Allez, ta gueule, raconte, tu raconteras ta vie plus tard. Et ta koyaki, je m'en fous, je tapais, moi. Fighters History Mizoguchi Kini Otokonara. Parfait, l'histoire est lancée. Allez, t'as aimé mon intro? Allez, oh non, génial! C'est Nathaïs qui l'a fait! Quoi? Tu joues à Windjammers? Eh, on est bien sur Super Famicom! Allez, viens te taper, je t'en supplie, à un moment faut se taper. À un moment faut se taper. Sinon, je fais du CPU Battle. Je te jure, à un moment faut se taper. Non, hein, je te spoil. Là, je suis en train de te spoiler. À un moment, faut se taper. Non, ouais, non, l'histoire dans les jeux de baston, c'est important. Le background, faut une âme. Oh! Hi, Ryoko da! D'accord, donc Ryoko cherche encore. Il est vraiment pas content là.
Là, il est vraiment pas content. Il va dérailler une gamine de 15 ans et qui fait 40 kilos. Non, vraiment, c'est bien. Ok, donc c'est les mêmes sprites. Oh, le jeu rapide. Le jeu est dame rapide. Dame que ça va vite. Dame que ça va plus vite en vitesse 3. Putain de merde. Ouf. Ça va trop vite, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. C'est bon, je maîtrise. Ah non, ils ont encore inversé tout. Quelle bande de connards. Oh là là, c'est dur. Ça pue le stun. Ils ont encore inversé mes touches. Punaise, mais quelle bande de sacs. C'est pas possible. Ils passent leur vie à inverser mes touches juste pour me faire chier. Est-ce que c'est Igori Media? Mais t'as deux doigts. Mais Zoguchi loses. Déjà, tu parles mieux des darons. Et ensuite, après, tu me laisses faire. Ah, ça y est, le chesto là. J'ai trouvé le chesto. Chesto, chesto. Chesto, mon gars. Aïe, Pochou. Le chesto a l'air complètement. Ouah, y a Juggle. Ouais, Juggle. Oh là, mais la vitesse de déplacement sur... Est-ce que Manu est déjà? En plus, elle fait aucun dégât. Ça y est, j'ai enfin réussi à faire l'attaque que je cherchais depuis tout à l'heure. Non, mais là, c'est non. Là, c'est non. Là, on va se calmer. On va se calmer. On va reset le jeu, d'accord? Ok. Où il est le reset? Reset le game. On va reset le game. Du calme. Ouais, du calme. Non! Très bien. Je ne suis pas énervé. Je n'ai pas repris le mode à la con. Et ça ne m'énerve pas. On va faire des pâtes au chesto. Détendez-vous. Configuration. Chesto. Très bien. On va se mettre en speedo 2. Ok. Il y a une sauvegarde d'ailleurs dans le jeu. Speedo 2, à mon avis, ça sera largement bon. CPU Battle à l'ancienne, mon gars. Et là, on va voir le nombre de persos. What the fuck? Clown, Yumi, Feeling, Zazie, Mizoguchi, Lee, Ryoko et Carnot. Mais putain! Mais on a perdu des persos! Y'a moins de persos! 3 et 3 et 2. What? Y'a que 8 persos! Mais où est Jean? Donc c'est le 3, mais y'a moins de persos. Bon, je vais prendre Mizoguchi, hein. En cause, Zazie, c'est bon, mais. Ah, y'a les couleurs alternatives. Et le jeu est grave stylé, hein. Il est grave stylé. Le jeu est grave stylé. J'en profite parce que les jeux que je vais vous proposer après vont être largement moins stylés que ça. Est-ce que... Oh, ça c'est combo, hein. C'était combo, ça. Oh, le jeu est divin. Je ne sais absolument pas comment déclencher le... Le dragon. Ce qui est dommage parce que le dragon est vraiment pété. Mizoguchi wins. Les sons sont complètement là, hein. Le jeu fait office d'une telle présence. Hellfire, mon gars. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux canceller mon Stanley Punch. C'est divin. Et là, je fais Koryusai. Putain, mais quand je le fais Koryusai? J'essaye de comprendre la mécanique de Koryusai. Stun le. Allez, vrai combo, les vrais combos. Voilà, chesto. Hey,
Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Je n'arrive pas à comprendre le dragon. Comment fait le dragon? Ouah, la tête! Et le jeu est divin. Par contre, en Turbo 3, c'est vraiment très rapide, voire trop rapide. Ok. Oui, comment tu fais Koryusai? Je veux savoir. Ça, c'est Caravan. Ça, c'était Caravan. Oh là là, puis en plus, il fait des ex. Oh là là, c'est combo, hein. Oh là là, ce Koryusai, mais il me le faut trop. C'est le meilleur coup de l'histoire. T'y fais Tatsu retomber, dragon. Comme Ryu. Putain, mais comment il fait le dragon? Ça y est, je l'ai trouvé. Merci au chat. C'est quart vers le bas. Pire manip de l'histoire, mais c'est pas grave. Pourquoi ils ont réfléchi quand ils ont fait quart vers le bas, là, franchement? Gros pied entier, mon gars. Ah, je passe pas au-dessus. C'est chaud. Oh là là, c'est esquive. Oh là là là, il est fort. Il est fort. Ce CPU, c'est. Hein. Merci hein, à Benders. Hein. Benders qui est un mec qui connaît GameFAQs. Benders, il est là. Et ensuite, tu as. Donc, back, down, back, plus all 4 buttons. Putain, ça fait un truc. This move can be chained up to 5 times. Ouais, d'accord. Il y a Chuchu, Ren, Zoku, Keri. C'est jump, then quart de cercle avant, kick x 4. Putain, on peut le faire en l'air. Et le Godsai Tiger Bazooka, quart de cercle avant plus les 4 boutons. Putain, en fait, j'ai des attaques craquées. On va voir. On va voir si ça marche tout le temps. Parce qu'il y a des super dans le jeu et tout, hein, c'est stylé. Quoi? Se calme. Bouton edit, hein. C'est mieux que Street Fighter 4, hein. Tu peux faire le. Voilà, c'est stun direct. C'est bien joué, c'est tellement bien joué. C'est tellement bien joué. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? C'est tellement lent. Ok, donc visiblement les super tu peux les utiliser quand tu veux. C'est une mécanique comme tu peux utiliser comme tu veux. Le seul problème du coup des coups, c'est qu'ils sont méga lents en startup. Et du coup que t'es gratos si jamais tu les fais comme ça au pif. Donc l'idée c'est que tu peux quasiment à mon avis les placer que sur des stuns. Ouais, le Ryu Sensei, à mon avis je peux le placer sans les stuns. Comme ça hein. Ouais, ça c'est par contre c'est genre impossible. Voilà, je dois bien avouer que mon Mizoguchi est un peu à la fraise. Boule. Dragon, mon gars. Oh, Koryusai, putain, je pense ça. Ah, c'est Chesto, hein. Ah, je passe pas au-dessus. Chesto. Rien à branler, il joue bien. Rien à branler, il joue très très bien. En fait, les super, c'est des espèces de courants ex qui sont gratos mais qui ont un startup absolument débile. Bon, on va prendre des vrais persos du coup. Ouais, c'est bon, j'ai compris, t'es le meilleur, ta gueule. On va prendre un vrai perso parce qu'après, je pourrais plus jouer au jeu et je serais triste. Lee. Lee, mon gars. Donc, Lee, il avait car avant pied, c'était son dragon. Ah, par contre, il en tire tout ce qui se passe. Tu es Kontai ou t'es pas Kontai? Ah, oh, ça fait mal ça. Il a ça qui. Maintenant que ça va vite.
moi, y a... c'est vraiment des récasses, hein. Ah, par contre, j'ai pris un gros stun dans ma gueule. Si tu bourres, t'évites ça quand même. Si tu bourres, t'évites ça. Si tu bourres, t'évites ça quand même. Le mec, il fait exactement les mêmes coups que Gato dans Mark of the Wolves. Ah, y'a un Mokubi, là. Là, visiblement, y'avait un Mokubi, hein. Gros Mokubi, hein. Gros Mokubi, hein. Ah, ça c'est puissant, ça. C'est vraiment puissant. Ah, tu te fous de ma gueule. Pouah, la puissance du coup, mec. C'est trop violent, le mec il est là, bra bra, blockstone, bra bra. C'est comme si tu faisais des échos gratuits en bloc avantage et que tu pouvais represser derrière. Ça veut rien dire, c'est complètement pété. Bon, par contre, c'est impossible de faire ça super, hein. Spoil. Faut faire arrière avant, bas arrière bas avant, comme ça. Ah, par contre, les roulades c'est non. Oh là là, ça punit, hein. Oh là là, cette chope. Mais ça évite les lots, c'est terrible. Bon, par contre, il s'est jamais fait avoir, hein. Je vous spoil, mais... je me suis fait baiser. Donc alors, il a une autre super qui est arrière, diagonale, down forward, arrière, down forward, down back. Putain, c'est impossible, ça. Avant, arrière, down back, down. Pff, rien que ça, c'est... ah, c'est ça. Oh là là. C'est... les coups de l'impossible, en revanche. Oh, mais y'a un chop dans tout, là, là. Oh là là, y'a chop partout. C'est insupportable. Oh là là, cette chope qu'elle met partout. Non, t'es pas stun, mec. Non. Mon lit, putain. Il m'a dégagé mon lit. On va voir si Carnov est aussi pété que sur la version Revenge. Je sais pas. Carnov est après pause, hein, parce que mine de rien... ce coffre à Versus, et on est déjà à la moitié. Tu vois, finalement, je me suis tellement amusé sur Fighters History. Karnov, ce qui fait croire qu'il est maigre. Alors, on va voir si Karnov est aussi pété que dans la version. Mais complètement. C'est pas possible. Alors, est-ce qu'il a les ballons? Déjà, avec le saut multi-punch, là, ça veut rien dire. Et voilà, mais ça, c'est pas safe. Oh là là, punaise, mais Karnov. Oh, mec, le perso est tellement divin. Ça veut rien dire, hein. Ça n'a aucun putain de sens, hein, ce qui est en train de se passer à l'écran. Cool. J'arrive plus à faire le ballon, ça y est. Hop, ballon. C'est le meilleur perso de tous les temps.
C'est le meilleur perso de tous les temps, c'est confirmé, hein. Maintenant, il a même un dragon. Il a le droit. Le meilleur perso de toute l'histoire du jeu vidéo. Et en plus, tu me dis, il a des coups en ex maintenant. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'as Mizoguchi et Carnov il arrive? Regarde ça! Mec, il te met ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Par contre, t'es lourd. Meuf, tu vas éviter. Ça c'est glissade, c'est pas safe, on s'en fout. L'eau, back, l'eau, big, back, fire, histoire de mixer, hein. Petit fire, histoire de mixer. La balloon. Et chop, voilà. Mon gars Carnov, c'est tellement l'infini. Oh. Ce perso, il a aucun putain de sens, hein. Il a aucun sens. Et il fait tout ce que tu veux, hein. Il fait les combos. Il fait complètement les combos du 1, hein. Les combos de Carnov's Revenge, hein. Ils sont là, hein. Ah, ça a essayé de taper quand même. Ouah, ça tape. Oh, ça tape. Je vais faire boot. Bam, bam. Et là, c'est stun direct. Stun! Oh là là! La meuf elle a voulu bouger! Bon, par contre, je peux pas trop sauter quand même. Hein. Dragon en descendant. La propreté. C'est pas arrivé, mon gars, Justin. Putain, il y a une défense là. Balloon. Une grosse défense, hein. Carnov loses. Round 2, fight. Ah mais là c'est la redescente, là, ça fait mal. Voilà. Oh, ce dragon. Bon, par contre, il va falloir te calmer, Gavin. Je te spoil, il va falloir te calmer tout de suite. Je crois que t'as pas très bien compris à qui tu parlais, en fait. Oh, mais alors on a rien à branler. Elle a trouvé le meilleur coup de tous les temps. Chun-Li avec un dragon, une boule aérienne. Un dragon qui monte et qui descend, qui fait overhead et qui est safe. Prenez ça avec vous. Écoutez, ça c'est mon cadeau pour le coffre à Versus. Je vous donne ça. Vous en faites ce que vous voulez, d'accord. Fighters History, c'est goldé sur Super Famicom. Si vous avez l'occasion de vous procurer les jeux ou même de jouer à ces jeux-là, je vous invite grandement à le faire. Ça bouge bien, c'est fluide, c'est... Il y a tous les éléments réunis pour faire un jeu de baston cool, un peu comme Sailor Moon, par exemple. Ça manque peut-être un peu de possibilités de déplacement et défensif, mais voilà, la défense, c'est les coups invincibles à l'ancienne, hein, et ça marche super bien. On va marquer une première pause dans ce Crova Versus, et on se retrouve juste après pour en revanche des choses moins bien. Des choses vraiment moins bien. Pup, je suis désolé d'avance. Désolé. De retour dans le coffre à Versus, merci à tous d'être avec nous et bienvenue dans l'enfer. Ce qui va suivre n'est pas agréable. Ce qui va suivre est vraiment... vraiment... très très peu agréable. Pit Fighters. Pit Fighter même. Un Pit Fighter 1992, Tengen. Un jeu qui a eu la licence. Mais un jeu qui n'est pas bien.
et un jeu qui va peut-être nous faire rendre notre petit déjeuner. Voilà, donc tu appuies sur Start et tu es directement dans le jeu. Comme vous le voyez, un Buzz est un ex-pro wrestler. Oh mon dieu. Et tu es déjà dans le match 1. Attends. Quoi ? Quoi ? Non, non, attendez, 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 attendez. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est passé quoi là avec le jeu ? Y'a pas une intro, quelque chose ? Un bonjour ? Tu lances, y'a Pit Fighter, t'arrives et tu te fais attaquer par un bodybuilder torse nu et huilé. C'est quoi cette histoire? Aïe, j'ai mal. Aïe, j'ai mal, aïe. Comment on tape déjà dans le... Comment on tape? Oh là, mon dieu. Oh mon dieu. C'est fa... Oh mon dieu. Ah, il y a un saut là, visiblement, avec X. Oh là, c'est les gâchettes pour taper. Oh merde, c'est les gâchettes pour taper. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, j'ai L pour faire kick. Non mais t'as pas gagné là. Ok. J'appuie sur Start. En connaissance de cause, j'aimerais changer de personnage, s'il vous plaît. Puis-je changer de personnage? Press Select to choose your fighter. Select, c'était ça. Ah, voilà. J'ai le kickboxer. J'ai Kato. Troisième degré de ceinture noire. Combo punch, flip kick et back end. Et j'ai Please Select your character. C'est un perso, ça? Ok, moi j'ai un Kato hein, depuis le 1, je pense. Ok, donc les poings et les pieds, c'est L et R. Mais genre, mais moi j'ai salué! Connard, j'ai salué! Espèce de trou de balle! Tiens, je t'ai salué, moi! Tiens, tiens, tiens! Tiens, je te baise. Hop là, voilà. Un coup de salto. Ah merde, je suis au sol, je suis au sol. Je suis au sol, je ramasse. Je fais point à pied, grosse esquive. Aïe, j'ai mal. Je sais pas ce que c'est ça. Je suis à plus 3, je suis dans la merde. Mais salue pas, connard de merde! Il est lotière, il salue! Relève-toi, relève-toi, je t'en supplie, relève-toi! Touche-le, bordel de. Tiens! Ah, j'ai pris cher! Je vais le baiser, je vais le baiser, je vais le baiser! C'est bon, il a moins d'énergie que moi! Tiens, je te pèse! Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Chop fait, bla, bla, 17, 8! Et voilà! Ah, je le nique, moi! Awesome Down! Fight Burst 5000, mon gars! KO 2005! Par ici la monnaie! Un round bonus! Bah ouais! Deuxième match! Mais arrête de saluer, sac à merde! Mais j'ai plus que 43! Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Il a un jeu de. Non mais il a un gros jeu de footsies! Relève-toi, relève-toi! Relève-toi! Mais ta gueule! Zzzz.
ce jeu est complètement non. La perspective est à chier, les coups ont pas de hitbox, on comprend rien, y a même pas de menu, t'es dedans, tu sais même pas ce que tu dois faire, tu reçois de l'argent mais ça sert à rien, tu récupères même pas ta vie, en fait c'est un mode survival. Je ne sais même pas combien y a de perso. Ah ça c'est pas possible, hein. Pit Fighter c'est pas possible. Hein. Pit Fighter c'est non, hein. N'y jouez pas, c'est officiellement non. Officiellement non, hein. Ça veut rien dire le game UI. Il veut rien dire. On passe à Power Moves. Power Moves. Allez, Power Moves, un vrai jeu. Déjà, il y a un mode de sélection. Start pour les options. Très bien. Level, crédit, jump, kick, punch. Ça, c'est pas la meilleure des nouvelles. Hein. J'ose pas. Ça, c'est pas la meilleure des nouvelles. Hein. On va tester, mais il y a marqué jump. Il y a marqué jump. Il y a marqué jump, c'est pas bon. Hein. Un password? J'ai pas de password, moi. Ok, il y a des persos, donc... Waouh, il y a 7. Attends, c'est moi qui choisis mon perso, là, ou c'est l'autre? Nick, Varan, Seth, Buo, Galo. Attends, je suis obligé de jouer Joe? Comment sélectionne le perso, là? Je comprends pas. Ok. D'accord. Ok, donc moi, j'ai pas beaucoup de... Oh, merde. Ok, donc ça c'est point, ça c'est... Oh merde, putain, c'est un beat'em all en versus. Ah oui, ça existe aussi. Alors, il y a deux plans. Oh, il y a deux... En fait, c'est pas un beat'em all, il y a deux plans. Saut gros pied. C'est méga lent. C'est méga lent. On peut pas se baisser, il n'y a pas de coup baissé. Visiblement. Il sent... Je crois qu'il y a des coups spéciaux, mais je sais pas c'est quoi. Par contre, décalage shop, hein, avant direction plus shop, ça fait coup. Relève-toi. Le jeu est méga putain de lent. Je joue le match de ma vie. Dans le vent, combote-le. Non, le point a plus d'allonge que le pied. À quoi sert le pied, on ne sait pas. D'où t'as pu mettre ta garde, toi, là-dessus. Voilà, deux hit combo de points. Ah, ah, je suis mal dessiné, donc je sais pas trop où je suis. Deux plans comme dans Fatal Fury. Ah, j'ai pris le premier round. Hein. J'ai pas beaucoup de vie. Hein. Ah ouais, ça suffit, les lariateurs fous là. Oh ouais. Relève-toi, sac à merde. Non. Mets des patates. Oh là là, cette perspective de fou. Ça sent le round perdu quand même. Hein. Gros point à la relève, tentative de gros pied, gros point dans le start-up, bien joué, décalage gros point, chop, elle est imbloquable à la relever. Il va bien sûr faire son start-up de merde, saut, ah il m'a anticipé mon saut, putain, fiu, connard, elle a une boule de feu arrière, avant, point plus pied, avant, point plus pied, oh, bah, c'est bon, j'ai gagné. Ouah! Koken! Je suis intestable. Oh, il a dragon! Oh, le meilleur dragon! Par contre, ça te fait pas mal. Hein. Dragon au pif? Ça te fait pas mal. Hein. Mais je m'en fous, j'ai Koken. Oh, le saut, c'est A. Le saut, c'est un bouton. Hein. Oh, les ralentissements de ouf. Ah, je voulais lui mettre un dragon au pif au milieu des liens. Ça n'a complètement pas fonctionné. Et du coup, je suis dans une merde noire. Koken, mon gars, en mythi. Ah, il va tous les bouffer. Ce jeu, c'est de la merde. Il va tous les bouffer. Koken. Ah, par contre, s'il les bouffe pas, il prend pas de dégâts de grattage. Donc, comment je vais faire? Je vais devoir lui sauter dessus. Allez, on tente un saut.
Chop, bien sûr. Koken en Mitty. La boule qui tue. Gros jeu. Gros jeu. Énorme jeu. Power Move, le nom du jeu. Alors là, je peux augmenter mon speed. Ouah, j'ai gagné des points. What? D'accord. Je n'ai absolument pas choisi. Mais c'est un mode story avec un password. On n'a jamais vu ça. Très bien. Donc, pay to play. Et donc, visiblement, je peux me faire la main sur un peu tout le monde. Bon, on va jouer contre Buo. Il a l'air d'être stylé. Koken, mon gars. Ah, il a la garde. Buo a la garde. Grosse garde de Buo. Oh là là, la perspective. Non, faut pas faire ça. Ah là, je suis pas dans le même plan. Oh, il a téléportation. C'est quoi? C'est le boss de fin. C'est pas possible. Il a été TP de 7. Non, mais tu te fous de ma gueule, le perso, quoi. Non, mais ça gratte même pas, les Koken. Non. Putain, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, la lenteur du... perso, la lenteur du game. On va voir si lui, il aime pas les dragons, peut-être. Alors, on a rien à branler, hein. Ouais, c'est un level up de RPG, ça, tu choisis rien, mais à mon avis, les stats qui augmentent sont fonction du personnage que tu affrontes, en fait. Ouais, c'est ça, je me bats contre un courant d'air comme si c'était Hildegarde de Dragon Ball Z. Oh là là, il est en entière, mon gars, je peux pas l'approcher. Puis il n'y a pas de tâche dans le jeu, hein. C'est le jeu le plus basique de l'histoire. On va essayer de faire les Mokubinis de relever. Ouais, je pense que ça, ça marche. Voilà pourquoi, ouais, c'est ça. En fait, la chope est garantie à la relève. Non, ça c'est raté. Non, c'était arrière avant que je voulais faire. Moi, ça perd. Ça perd complètement, hein. Alors, est-ce qu'il va me donner game over ou est-ce qu'il va m'augmenter mes stats quand même? You lost. J'avais compris. Ah, est-ce que j'ai dû... Ah ouais, d'accord. Ah ouais. C'est officiellement non. Y a pas un mec qui est zéro? Ah, lui, défensivement, il vaut rien. Non, c'est sur lui. C'est lui qu'on farm. Ça sent le PNJ à farmer. Voilà, on va essayer de farmer lui. Oh putain, ça m'a l'air d'être un Martin P. Oh là, il a pas l'air farmable, hein. Il a pas l'air farmable du tout, hein. Kaneko, hein, a fait ce jeu, je vous rappelle. La shop normalement est garantie. 2 hit combo. Mukubi. Oh la barre. Oh le gros lariat, hein. Non, ça c'est pas trop ça que je voulais faire. Koken, il va bien se la bouffer. Saut gros pied. Putain, à chaque fois que j'appuie sur saut, les mecs ils ont sauté avant. Donc deux plans, point pied, un bouton saut. Des coups spéciaux plus qu'archaïques. Ça a pas l'air d'être un PNJ, hein. C'est le père du village de Pauvet-sur-Mer, ouais, c'est un peu ça. La chope est garantie à la relève, hein. Ou alors c'est le PC qui est zéro. Là j'ai chop. Ok, je peux baiser le jeu, je pense. J'avoue qu'après Fighters History, ça fait bizarre, mais on sent qu'il y a quelque chose, hein. On sent qu'il y a un petit truc quand même dans le jeu. Ouais, ta gueule, c'est bon, ça va. Tu me laisses jouer, s'il te plaît. Merci. Ouais, donc là, je fais dragon, tentative de chop. Il a dit non. Bouche a dit non, voilà, chop, parfait. Ah, c'est relevé en gros point, bah oui. On essaie de whiff punish tout ce qui se passe. Là, on whiff punish au gros point. Saut gros pied. Saut gros pied avant qu'il tape. Et la chope à la retombe. Ah, voilà, je l'ai eu. C'était un peu Ashton le moustachu, c'est vrai. C'était un peu Ashton le moustachu. Donc Warren, level up. Un point ici, un point là. Deux points en force, deux points en défense et deux points en life. Warren est fait, j'ai un password, très bien. Et du coup maintenant, je peux me tenter peut-être Gao Lion. Oh là non, non, lui il joue avec des armes. Non, c'est de la triche. Oh la lenteur de start-up des armes. Bah la chop est garantie. Ah merde, bah peut-être pas alors. Chop garantie. Oh, il y a le petit qui était garanti. Le mec il m'a mystifié. Oh la barre. Il
vient de me mystifier la gueule. Bouchadinon. Power move, hein, mesdames et messieurs. Grand jeu. Ah là là, ça ment hier, le bâtard. Boule en punition. Et ton startup de merde. Fais-le. Ah, je l'ai touché en garde. Chop. Boum. 2 hits, 3 hits. 4 hits. Ah, c'est lui qui m'a touché dans les airs. Bâtard. Non, fais entier quand il fait ça. Entier, merde. C'est complètement con, il y a le buffer du arrière. Le dragon c'est avant point pied et la boule c'est arrière avant point pied. Donc quand tu recules pour te défendre car la garde c'est arrière dans jeu de chiasse, eh bien tu veux faire entier avant point pied et ça fait boule. C'est complètement con. Ah, gros stage hein. Ce stage qui est repris aussi dans Breaker's Revenge. Ok, il y a un tir gros pied d'après ce que j'ai compris. La chope. J'ai chopé, oui, je chope, parfait. J'ai touché. Ah là, le PC qui en tire toujours. Hein. Allez, là, je bouge pas et j'en tire. Voilà, merci. Saut gros pied et chope. Je pense que je commence à avoir compris comment le jeu fonctionne et c'est carrément mieux que Pit Fighter. Sans aucune hésitation, c'est mieux que Pit Fighter. Alors voyons voir comment j'en tire. Dragon, bah oui, meuf. Ok, allez, vas-y, saute-moi dessus qu'on rigole. Ah, par contre, faut qu'elle me saute dessus. Ah, ok, elle prend la chope. Elle est gratuite, il est gratuit. Dragon, saute pas, on te dit. Allez, saute. Dragon, saute pas, on te dit. Pourquoi est-ce que ce connard de CPU, il veut forcément tout le temps sauter? Il est vraiment trop con. Bah, du coup, il n'y a pas de coup baissé, il n'y a pas de l'eau. C'est vraiment la chope qui ouvre la garde, quoi. Voilà, 8 points en speed, mon gars. Bababam. Bon, 0 points en force. Et 2 points en life. Je suis trop crédible. Je prends un password, mec, Bonus stage. Oh, ça existe, ça? Oh, c'est quoi cette merde? Oh là là. Ah merde, faut taper dans le bon truc, je suis trop con. Ok. Bonus stage de la passion. Hein. Bonus stage de la passion. Oh, j'aime frapper les mitaines. Ouais. C'est dur, hein. C'est dur, mais j'ai réussi. J'ai réussi. Faut faire un... Faut pélinquer. Gros pélink, hein. Gros pélink. Oh là là, ce pélink, mon gars. Ouah, je suis devenu god tier. Oh, le bonus stage, je suis en train de le baiser. Gros bonus stage, hein. Boum. Et boum! Voilà, j'ai eu le mec à la dernière seconde. Bon, 26 sur 30 parce qu'au début j'ai fait n'importe quoi. Du coup, j'ai gagné des points. Et ça ne m'a absolument rien donné. Très bien, merci, c'était Power Move sur Super Famicom. Tu as bien fermé ta gueule le jeu. Et on va jouer immédiatement à Super Bikuri Man, qui est normalement un bon jeu. Jeu à licence. C'est pas le premier jeu qu'on voit avec un petit côté jeu de baston avec un petit côté RPG derrière. Il y avait un jeu à moitié de mecha qui était comme ça aussi sur Super Famicom. Super Bikuri Man. Un player versus option.
Ok. Je ne sais pas à quoi sert le level. Sûrement la difficulté, je vais mettre à 3. Donc je tourne entre Phoenix, Tiki, 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 Phoenix. Ok, je crois que j'ai le choix entre Phoenix et Tiki. Pour rendre hommage à Phoenix, je vais prendre Tiki. Et j'affronte. Oh mon dieu. J'affronte Master P. Waouh, le jeu. Mais c'est voilà, attendez, attendez, attendez. Voilà, attendez, attendez, attendez. J'ai trouvé le bouton de coin, j'ai trouvé un bouton de pied. Il n'y a qu'un point, qu'un pied dans le jeu. Voilà, attendez, 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 attendez. Attendez, parce que là, X fait point et A fait pied. Allô? Allô? Ok. Round 2. Oh là, il a sauté. Pourquoi il a sauté? Ouah, il y a des projectiles, visiblement. Ça, c'est le point. Ah, c'est avant-point qui fait le gros point. Donc ça, c'est le gros point. Mais ça, c'est pas le gros pied. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc le saut, c'est haut. On se croise un peu comme dans Okuto no Ken. Oh mon dieu! Le jeu est une immonde chiasse! La physique est à chier, les hitbox disparaissent, y'a que deux boutons et une putain de commande attaque. Je trouve pas le moindre coup spécial, y'a pas de dash. Je sais même pas si j'ai réussi à mettre la garde sur une seule des putains d'attaques de ce jeu de merde. Mon dieu! J'ai essayé ma petit point. Visiblement, ma petit point n'a pas assez d'allonge. Là, je suis baissé et des fois il se relève. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, là, des fois il se relève. Aucune raison, il se relève. En fait, c'est comme s'il repassait par la position debout à chaque fois. Et si je bourre trop le bas petit pied. Oui, elle garde ou elle garde pas? Je vais essayer de garder un coup. J'arrive même pas à garder le coup. J'arrive même pas à garder. Je suis à 100. Mais ta gueule, PC de merde. Allez. Non, y a pas de garde en fait dans le jeu. Y'a pas de garde, y'a pas de garde, la garde c'est. La garde c'est rien. Là, y'a pas de garde. Y'a pas de garde, y'a pas de. Y'a pas de chop. Là, y'a pas de coup. Y'a pas d'intérêt. Le CPU fait n'importe quoi. Je fais des bas petits pieds. Et à chaque fois qu'un bas petit pied est fait, je repasse en position baissée. Ce qui est vraiment complètement con. Y'a pas de garde. J'ai pas de garde, j'ai tout simplement pas de garde. Là, je suppose que c'est un 4 hit combo que je viens de faire. Visiblement, il y a des coups hein, quand elle les prend là. Je vois un dégât de recul. J'ai l'impression qu'elle le prend en hit. Mais je vois pas la différence entre la prise en hit et la prise en garde. Ça ressemble à un jeu des Chevaliers du Zodiac. Mais raté. Enfin, un jeu des Chevaliers du Zodiac, quoi. Ah, y a Aladdin avec. Avec Kev Adams. On va essayer de tuer Kev Adams. Mais je sens que ça va être next. Hein. Oh là mon dieu, Kev Adams. On va essayer point et pied en même temps. J'ai pas essayé. Non, point et pied, ça fait rien. Lui aussi, il y a Kuretsuken. Donc ça doit être le. Ça doit être le Hadoken. Dans le jeu. Voilà, ça, c'est anti-air. Voilà, anti-air. Dès que tu prends un dégât, visiblement, on gratte parce que. C'est le gros arrière-gros pied de la... C'est affligeant. C'est affligeant, ce jeu est affligeant. Je sais pas si l'animé du même nom est aussi affligeant. Ce jeu est affligeant, faut attendre 3 plombes avant de recommencer un autre round. Là, bon bah le bas petit pied a plus de portée, donc... Il a l'air d'être safe aussi, donc je balance. Hein. Dès qu'il saute, je fais cette petit pied.
Voilà, ça entière. Fin du game. Fin du game. Fin du game. Je vais pas jouer à ça jusqu'à la fin, hein. C'est pas possible. Je lui donne encore une chance au jeu. J'avoue, la maman japonaise qui rapportait ça à son enfant à la place de Street Fighter 2, il y a déception. D'ailleurs, la semaine prochaine... Ah, c'est Megaman. Complètement Megaman. Oh, il a de la longe. Oh, bah, il a gagné. Oh, c'est bon, il a gagné. Ouais, il a gagné. Le perso le plus fort du jeu, il a les bras qui s'allongent. C'est le perso le plus fort du jeu, hein, pour le moment. Il y a bien une garde, hein, dans le jeu. Il y a bien une garde. Jamais réussi à garder quoi que ce soit. Mais il y a bien une garde, hein. C'est fou, hein. Le jeu, c'est impossible, hein. Bon, je saute parce que sinon je suis baisé, mais rien que le début du match, quoi. Donc le match commence, c'est terrible. Oh là, l'entière, c'est son petit pied. Oh là, c'est un combo, ça. Mais ta gueule. Mais il lightbox. Le lightbox est passé où? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh mon dieu, mon dieu. Oh mon dieu, c'est... Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. La musique remplit le cerveau, oh là là. Oh. Putain, c'est dur. Hein. On va jouer à Taekwondo Jacko, un jeu sorti sur Super Famicom uniquement en 1991, il me semble. Donc c'est théoriquement un jeu de sport, de Taekwondo, mais en versus. Teyundo to wa yaga shikashi nagawata atta. Sore kara speedo to power ni afureta. Ça se la pète grave. L'intro est là. Taekwondo. Langage japonaise. Coréenne. Alors, vous êtes plutôt suceur de jap ou suceur de corps? Mesdames et messieurs, c'est à vous de juger. Hein. Nous sommes dans le coffret versus posé. C'est bien pour vous qu'on fait ça. Hein, tous perdez, ça reste pour vous. Hein. Plutôt jap ou plutôt corps? Alors voyons voir. Jap, jap, jap. Jap, jap. Corps, corps. Jap, corps. Corps, corps, jap. Corps, corps, corps. Corps, corps, jap. Jap. Bon, c'est le jap qui l'emporte. Suceur de jap, très bien. Tournament mode versus mode. Entraînement. Dekondo. Taekwondo. Je sais pas ce que c'est. Contrôleur et le sound. Moi, je vais direct en tournoi. Edit mode, password ou normal mode. Normal mode, normal mode. What the fuck? Ils sont stylés, les persos. Lui, j'aimais bien, là. Lui, là. Il est comment? Attaque, speed. Il est pas trop technique. Ah, lui, il est encore moins technique, lui. Et en attaque, il est à fond. Ça allait être le gros bourrin du jeu. J'hésite entre lui et lui, là. J'arrive pas à lire leur nom. Je vais prendre lui, c'était ma première impression.
Non, je vais prendre lui. Je prends lui. Punaise, tournoi taekwondo, mon gars. Ok. C'est Dragon Ball. C'est complètement Dragon Ball. Je ne sais pas comment on joue en revanche. Je vais découvrir avec vous. Ah, il y a 8 persos dans le jeu. Du coup, je suis en quart de finale. C'est parti, mon gars. Alors, est-ce que c'est en versus? En versus? Ouah, ça a l'air d'être totalement versus. Hein. Bienvenue. Tout ça est en 5 touches. Ok. Tu te baises. Les points comptent. Il y a le chrono. Un point. D'accord, ça rappelle les règles du jeu. C'est fair play, c'est fair play. Hyundai. Chun-Li, ciao. Ok. Donc visiblement c'est un jeu où tu ne peux utiliser que les pieds. Le saut c'est haut. Et j'ai pris 5 points dans la gueule. Ok. Ah, il y a quand même des coups de poing. Ouah, il est trop stylé le jeu. Mais c'est pas un jeu de taekwondo, c'est un vrai jeu de baston versus. Alors attendez, il y a L et R probablement pour changer de stance, d'accord. Tu changes de garde avec L et R et j'ai pris un critical hit. Je me suis fait complètement marquer des points. Ah, il y a des enchaînements à la Tekken. Hein. Je ne sais pas comment on descend en revanche. Mon adversaire est très avantagé par rapport à moi. Stun. Ah non, d'où je prends un critical hit, il pond. J'en ai marre, je l'ai démoli. Voilà, overhead, mon gars. Ah, moi aussi j'aimerais bien pouvoir bouger là, mais je peux pas. On n'est pas sur le même plan. Voilà. Backdash, ok, ça c'est un bon jeu. Avec elle, je peux prendre une stance. Le jeu a l'air grave stylé en fait. Mais c'est super dur à comprendre. Je suis pas bien là. Je suis au zéro de telle vie. Donc en fait, il simule la barre de vie avec les points. Tant qu'il revient pas dans mon plan, je peux pas le taper. Ah, lui, il peut me taper dans l'autre plan. Bâtard. Ah, faut vraiment... ah, ça y est, j'ai trouvé comment changer de plan. Je marque les points, mon gars. Tu m'y pondras pas. Je prendrai pas hippon. Je vais pas mourir en poule. Non. Voilà, off of the mat. Ah, je suis mal, quand même très mal. Il veut me hippon. Ah, ça serait mieux à la manette le jeu quand même. Oh là, le combat de. Non. J'ai perdu, mais je me faisais au gameplay. Il y a, tu peux enchaîner, il y a coup faible, coup fort, coup sauté et coup low. En fait, tu as plusieurs niveaux de pied et tu peux les enchaîner les uns avec les autres. Avec le bouton L, tu vas changer de garde et de stance, même garder ta stance pour faire des feintes. Et avec le bouton R, tu vas pouvoir changer de ligne. Je vais m'y faire. La garde, c'est arrière, il y a des backdash. C'est jouable, le jeu est parfaitement jouable, hein. Ouais, le jeu est aussi sorti sur Game Boy, c'est vrai. Là, je suis un coup fort. Je vais changer de plan. À chaque fois, il fuit pas mal hein, quand même. Ah, je suis en dehors des lignes. D'où tu marques 5 points? Ah, c'est pas facile. Oh là là, il m'a critical. Il t'a frappé dans les couilles, monsieur. Dans les couilles. Tiens. Je vais avoir mal. C'est pas facile. Je pourrais dire il m'a pris par surprise, mais la vérité c'est qu'il est en train de me défoncer. Ça c'est un coup trop lent malheureusement. Allez, je peux faire deux hits, parfait. Il est pas bien. Même si j'ai pris les dents, je peux le KO, je pense. Regardez ça. Là, il subit de la pression. Il est out of the mat. Là, overhead. Low. Je change de ligne, mon gars. Tu peux pas me test. Bla. Putain, j'ai marqué qu'un point, t'es sérieux? C'est de la merde. Là, je mets la pression, je suis en train de revenir, esprit shonen. Esprit shonen. Un fichu Mikado. Oh you.
Oh là, ça fait mal. Il va prendre du pont, il va prendre du pont. Je le sens. Non. Enfin, pas que je pas que je prenne trop de dents. Je sens que... Voilà, mon gars. Critical hit. Non. Ah non. Putain, je commençais à maîtriser le gameplay là. Il existe des jeux de sumo, oui. Notamment un jeu que l'on a passé dans le coffre à Versus qui s'appelle Arimanada, qui est un jeu de sumo complet. Je rejoue à Shibirobo, c'est ça. Le jeu est trop stylé. Le jeu est vraiment vraiment stylé. Qu'est-ce que tu bois ? Chocolat. Je vais y arriver, Faut moins que je gagne un match. Oui, à Arimanada, on avait joué en versus avec Karaté, souvenez-vous. Allez, allez, j'y crois. J'ai pris un peu trop de coups comme une merde. Allez. Salut. 5 points direct, mon gars, pleine tête. Viens. Ah. Boum, je t'entière. Par contre, les changements de plan, t'as pas le droit. Allez. Ça y est, je le maîtrise. D'où il a marqué 2 points, lui, d'ailleurs. Non, il a les dents 2 fois. Ah, je pourrais le ramener. Je vais changer de plan. Change de plan, mec. Merci. Je vais mettre cette garde la boum entière. Allez, t'es déséquilibré. Boum. J'ai marqué 5 points là-dessus. Hein. Putain, ce mode de garde à la Karate Kid. Ah, par contre, il a scoré 5 points direct. Hein. Il m'a mis au sol un truc violent. Mais je le maîtrise un peu plus là déjà. Il y a la garde, j'ai la garde. Par contre, il y a des gardes crush qui sont ultra abusés. Descends, je t'en veux. Allez, gros kick, non. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Je suis en train de perdre mon. Quand je me mets en stun, j'ai pas de garde, le problème. Je suis pas stun. Oh, je suis tellement esquivé le stun. Ça y est, je l'ai. Je suis en train de le maîtriser. Grave, boum. Ah, par contre, je sais pas comment venir le toucher quand il est comme ça. Je t'en tire, mon gars. Non. Ah, mais non, mais jamais de la vie. T'es à moitié mort, mec. Boum. Et ben voilà, je t'ai baisé en 3 dents, mon gars. Merci. Monsieur Mabrus, ce qui est en train de se passer ici, c'est extraordinaire. Ils ont réussi à produire un jeu de combat de Taekwondo en versus qui n'est pas juste un vieux jeu de merde de simulation de combat comme karaté. C'est un putain de vrai jeu avec un vrai gameplay à part entière. Un peu comme si tu jouais à un jeu de boxe en versus, mais dans le Taekwondo, quoi. Et c'est stylé. Hein? Voilà, un peu Bushido Blade, mais avec du Taekwondo. Et t'as plusieurs stands, t'as la garde, t'as le saut, t'as des esquives. Le jeu, il défonce sa race. Hein. Par contre, je comprends rien comment on y joue. Hein. Mais il est vraiment violent. Tu mourras pas. Je vais l'hippon directement avec un... Voilà, t'as contre-attaque 5 points direct, hein, il a pris un down. Je vais faire mon attaque, mon wheel kick. Boum. Voilà, contre-attaque encore. Putain, c'est trop pété, passage en stance kick. Passage en stance. Là, il comprend pas. Il sait que j'ai pas de garde quand je passe en stance, regarde. Comme ça qu'il essaie de me baiser. Par contre, la fuite avec les changements de stance, monsieur l'arbitre, ça devrait être pénalisé. Hein. Parce que c'est vraiment chiant de changer de ligne. En revanche, ça, c'est assez mal fait. Là, j'essaie de changer de ligne depuis tout à l'heure, j'y arrive pas. On va dasher. Non, sans déconner, touche-le, voilà, merci.
Merci, voilà. Il y a des coups qui touchent sur l'autre ligne. Faut juste se mettre bien. Non, reviens sur ma ligne. Reviens, arrête de t'enfuir. Reviens sur ma ligne, reviens sur ma ligne. Oh là là, là le combat de Mongol. Reviens sur ma ligne. Putain, mais quel abruti. Bah oui, avertissement évidemment. Voilà, contre-attaque, j'ai t'as pris 5 points. Alors, taekwondo avec les points, c'est pas très autorisé, mais... J'ai essayé des combinaisons de coups. Enfin, ça marche pas. C'est vraiment des enchaînements de coups, hein. Regardez, il se met toujours là pour essayer de me baiser, mais... Mais quel mauvais joueur. Quel anti-jeu, c'est dégueulasse. Putain, il se remet encore là. Ah, il me vénère, franchement il me vénère. Il me vénère trop. Reviens sur ta ligne, viens te battre comme un vrai homme. Mais putain, quel vieux sac à merde. Putain, prends ça, tiens, boum. 5 points mon gars. Je vais l'agresser direct moi. Tiens. D'où tu changes de ligne et tu vas te cacher dans les jupes de l'arbitre là. Non, je prends pas le stun. Ah si, j'ai complètement pris le stun. Encore une mise au sol mon gars et tu vas manger chaud. Tiens, tu crois que tu peux mentir. Boum. 5 down. Champ final mon gars. Le mec il arrêtait pas d'essayer de... Bah oui, il est pas correct, il arrête pas de se barrer là. Non mais oh. C'est pris pour qui lui? Il est trop stylé mon perso. On dirait Fujiwara-san, vous savez, le papa de Takumi dans Initial D. Ok, finale. C'est ma première fois en finale d'un tournoi aussi important. Là, j'ai la pression. J'ai vraiment la pression, je joue contre Haifeng Jung. Ok, allez. Je vais faire une ouverture Tatsu, on verra si ça marche. Ichijo, hein, Ichijo. Allez, c'est parti. Allez, il a bien contré ça. Voilà, 2 points entiers, parfait. Allez, je vais faire high kick. 2, 3, c'est bien joué. C'est bon, la stratégie a fonctionné, je vais l'entier direct avec ça. Voilà, ça fonctionne, c'est 3 points. Hop, overhead, kick, pied, pied, gros pied. Ah, j'en ai remis un. Je sais pas si ça compte, monsieur l'arbitre. Ok, ça commence entier. Contre-attaque, hein, contre-attaque. Je les redonne hein. Allez à moi cette finale, je vous dis allez à moi. Il frappe fort, il joue bien. Mais il se décale pas de ligne, il change pas de ligne. Faut que je fasse un kick d'entière. Non, pas le stun. Il a bien repris l'avantage là-dessus. Voilà, là en revanche, celui-là, il l'arrête pas. Boum. Ah, il cherche encore les jupes de l'arbitre. Ah, je les déteste les mecs qui cherchent les jupes de l'arbitre comme ça. Voilà, contre-attaque, qu'est-ce que c'est fort ça. Stance, j'appuie sur L, ensuite je fais petit kick comme ça. Par contre le mec, je vous spoil, le mec fait mal. Le mec fait, oh l'animation déchirant. Le mec fait officiellement mal, j'ai pris un down, mais il est pas bien. Wow. Listen, no Kachida. Je l'ai baisé le jeu, hein. On peut dire que je suis le meilleur joueur du monde à ce jeu ou pas? On peut dire aussi que j'ai des problèmes pour lever la jambe, mais c'est parce que je fais pas assez de sport. Je veux ma médaille de champion. Bon, en revanche, il a qu'une animation, hein. C'est son truc. Hein. Comme ça. Ouais mon gars. Soul et Ikeru. Ryuwa Kono Itoho Jite Ita. Il a attendu ce moment toute sa vie. Sekai Taikai Owari.
C'était Owari, hein? Soul, eh? C'était Owari? Owari? Allô? What? Oh, y'a un championnat du monde après? Oh, puis je suis baisé, je joue un tour de plus contre Kado. Kato. Carte contre carte. Ah, mais j'ai encore un jeu à montrer. Y'a Papelu. Ah, le championnat du monde joue contre un Américain. Ah, faut que je baise l'Américain au moins. Ah, l'Américain, carte, je me le fais. Il va rien comprendre, il va rien comprendre. Arrête de rester dans les jupes de ta mère là, ça m'énerve. Je te contre, je te contre. Non, je te pas contrer. Ah, bien joué. Quand les Américains savent lever les jambes. Oh, oh, mon lit a moins l'esprit shonen sur la scène internationale, je vous spoil. Boum. Ça c'est un coup qui stun, je peux le charger. Mec, reviens, viens te battre sur la même ligne que moi. Viens me battre sur la même ligne que moi, ça veut rien dire. Bon, ça par contre, ouais, je suis d'accord, c'est peut-être pas très fair play ce que je viens de faire. Par contre j'arrive pas à... Oh, ouais, j'ai pris un point. Repoint. C'est lui qui met. Il a sauté. Mais d'où tu vas jamais au sol, putain. Ah, il vient de se barrer. Mais casse-toi, putain d'Amerloc. Comment ça contre-attaque? Mais ça compte pas comme un down. J'ai glissé, chef. Boum. Ah, il s'est encore barré comme un vieux lâche. Oh là là, putain. C'est comme ça que tu joues alors? Tu te caches dans les jupes de ta daronne? Tiens. Je te spoil, tu vas tellement être stun dans deux frames. Arrête de te cacher, arrête de te cacher. Arrête de te cacher, ça m'énerve. Arrête de te cacher, voilà, crève. Voilà, moi je score pas tous les downs qu'il faut. Je score peut-être pas tous les downs qu'il faut, mais j'ai gagné. Point final, c'est ça la vérité. Voilà, c'était Taekwondo, alias Jaedu. En japonais, c'est un jeu qui est sorti uniquement au Japon. C'est un vrai jeu en versus, il y a un mode versus hein, dans le jeu. Là, je joue au mode tournoi. Je vais jouer contre Fulei. Et j'ai pas envie. J'ai juste pas envie parce que malheureusement... Jacko. Taekwondo. Jacko. Voilà, il est là. Malheureusement, il me reste 3 minutes et je dois vous parler d'un jeu. Et je pense que 3 minutes sera suffisant. Weapon Lord, 1995, hein, Océan, retenez bien cette date. Namco, retenez bien cette patrie. Voilà, Since the Depths of Time, Weapon Lord. Donc déjà, tu te dis, ah, ça va être mauvais. Eh bien, tu n'as pas tort. Ça va être mauvais. Il y a des persos, hein. Oh, Bane. Oh, les persos sont stylés. Oh là, Zarak. Franchement, j'ai un Bane. J'ai un Bane de base. J'ai un Bane. Et on m'a dit que du mal de ce jeu-là. Alors, on va voir si c'est vrai. Je ne l'ai jamais essayé. En tout cas, une DA à la Namco. Pff, les sprites sont grave stylés. Ça bouge. Ah ouais, mais le problème, c'est l'animation. Ah, le problème, c'est l'animation. Hein. Le saut, c'est le saut. Au secours, à l'aide. Ils ont fait des sprites mais ils ont oublié l'animation du jeu. Ils ont oublié l'animation, il n'y a pas d'animation dans le jeu. Ça me rappelle trop Eternal Champion en fait. J'ai fait deux hits hein. Gros combo. Est-ce que la garde c'est arrière? Oh mon dieu. La garde c'est arrière. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais pourquoi ont-ils fait ça?
Oh là, c'est une chope ou c'est pas une chope? Je suis dans quoi là exactement? On va sauter. Dans le doute, on va sauter. Je me fais attaquer par les Condor Dive. Je ne sais pas ce que je touche, est-ce que je ne touche pas. Je ne sais plus, je vais essayer de bourrer les caravans. Je prends un 2 hit. Voilà. J'ai envie de dire tout est dit, hein. J'ai envie de dire tout est dit. Il y a des coups spéciaux, ouais. J'ai choisi un des persos les plus lents. Bah ouais, mais l'animation, c'est chaud. Oh là là. Bon, écoutez, hein, pour vous faire plaisir, j'y rejouerai la semaine prochaine. Non, je déconne. La semaine prochaine, dans le coffre à Versus, nous ferons un comparatif des séries à licence, enfin des plus grandes séries du jeu de baston, par exemple, eh bien, Street Fighter, sur les portages consoles. Donc on va justement essayer Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo et Street Fighter, Super Street Fighter 2 New Challenger, et on essaiera les versions Mega Drive aussi de Street Fighter 2 Prime et Super Street Fighter 2 The New Challenger, et on verra eh bien quelle version est la meilleure. On fera ça pour Art of Fighting. On a déjà un peu commencé Art of Fighting. Fatal Fury, on avait déjà fait le Fatal Fury sur Mega Drive. On va comparer les Fatal Fury 2. Pareil pour Mortal Kombat. Quelles étaient les meilleures versions des jeux et des portages de jeux à l'époque? Sur quel support faut-il y jouer pour espérer encore s'amuser? Eh bien, ça sera le sujet du premier épisode des comparatifs des grandes séries du jeu de combat sur console dans le prochain épisode du coffre à Versus. 2X sur 3DO, et la 3DO elle est là, hein, vous le savez, la 3DO elle est là. 2X sur 3DO, elle est ici, version 2X sur 3DO. Je pourrais peut-être vous la ressortir, hein, si vous voulez. J'ai fait un coffre à Versus, hein, sur la 3DO. Vous le savez tout de suite, c'est Monsieur Sapin et Mario Mazo. Merci à tous eh bien, de rester sur la chaîne Rétro 1D. Je vous laisse entre bonnes mains avec Monsieur Sapin qui va souffrir. Et moi, je vais aller setup immédiatement. Chasse-moi si tu peux sur l'autre plateau. Merci à tous d'avoir suivi le coffre à Versus. Et gros bisous et à demain. Du coup, à demain pour Mario Maker sur la TV1. Mercredi, il n'y aura peut-être pas de mort-passe en temps pif. Je vous en parlerai demain, si jamais eh bien, cela est le cas. Bisous à tous et bonne suite des programmes sur Gaming Live Rétro 1D. Ciao!